drill and then you'll die. Et bonjour tout le monde, c'est Wizarten. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch, donc un glitch pour le don de véhicule à ses amis. Donc le glitch que je vais vous présenter aujourd'hui pour le don, ce sera le glitch du PGDG. Donc vous l'avez sûrement déjà vu, il est encore disponible, donc je vais vous le montrer sur ma chaîne. Voilà, donc tout d'abord il vous faudra soit une boîte de nuit, soit un atelier d'arène avec un bureau de PDG. Très important, il vous faudra un véhicule. Soit dans la boîte de nuit, soit dans l'arène, peu importe, vous commandez un véhicule qui provient de votre boîte de nuit ou de l'arène. Pour ma part, je vais commander un véhicule de la boîte de nuit, d'accord. Donc, il vous faudra être deux. Votre ami va vous aider à vous bugger, donc c'est-à-dire que lui, il sera en travail de titan, pendant que moi, je me bug au PDG. Donc, vous allez voir, c'est très simple, la manip, elle est pas compliquée. Moi, je vais juste vous accélérer la partie où, quand j'arrive à mon PDG, etc. Donc, je prends un véhicule de la boîte de nuit, je vais directement au PDG. Moi, mon ami, il va lancer un travail de titan en attendant que je suis buggé et que je lui dise de quitter l'activité. Allez, c'est parti, je vous accélère, on se retrouve au PDG. Une fois les amis arrivés au PDG, donc on va seulement laisser notre véhicule dehors. On va rentrer dans le bureau, donc on va faire entrer dans votre bureau. Lui, notre ami, va pouvoir commencer à lancer un travail de titan maintenant. Donc vous lui dites qu'il lance un travail de titan, il va le lancer et il attend qu'on lui dise de quitter l'activité. Donc nous, on fait entrer dans votre bureau, d'accord. Donc on entre dans le bureau du PDG. Souvenez-vous où vous avez pris votre véhicule, de la boîte de nuit ou de l'arène, souvenez-vous à quel emplacement il était. Donc là, je suis rentré, je me retourne, je vais vers un garage, je fais garage de fonction. Attention, il est impérativement obligatoire de faire de faire pavé tactile et d'afficher toutes les activités sur la map. Il est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas réussir le glitch tout simplement, donc... On va faire pavé tactile, on va aller dans masquer icône, on va faire activité, on va personnaliser et on va tout afficher. Donc je fais pavé tactile, je fais masquer icône, activité, moi j'ai mis personnalisé, j'ai tout affiché. Soit les courses ultra légères, les courses terrestres à deux roues, aériennes, peu importe, on affiche tout. On vérifie si on a tout affiché, on ouvre la carte, on fait pavé tactile, hop, c'est parfait, on a bien toutes les activités sur la map. Donc... quand on a toutes les activités sur la map et notre collègue est bien en travail de titan pour vérifier, je fais start, en ligne, je vais dans joueur, je vérifie, il est bien en travail de titan, je peux rejoindre sa partie, c'est parfait. Donc là on va s'apprêter à se bugger, d'accord. On va vers l'ascenseur, dès qu'on clique sur le bureau, on va faire start en ligne, start, on va sur la carte et on va chercher une activité. Allez c'est parti, je fais croix, je fais start, j'enlève la carte. J'attends que ça se dézoome, on a l'écran noir, c'est parfait, on lance l'activité. Allez, ça nous fait monter dans les airs, ça nous fait redescendre. Si on trouve pas d'activité, on fait héberger, d'accord. Ça nous fait redescendre, ça nous fait respawn dans l'activité, on la quitte dès qu'on peut. Et là, les amis, on va être frisé, donc on pourra plus rien faire, on pourra juste bouger la caméra, d'accord, comme ceci. Là, on va rejoindre notre ami, donc en ligne, on fait start, en ligne. Donc lui qui est en travail du titan, je vous le répète, il nous sert pour nous bugger. Donc là on fait rejoindre, d'accord, on a le message d'alerte, on peut lui dire de quitter maintenant. Donc là il quitte. Et moi j'accepte les deux messages. Donc une fois qu'il a quitté et que j'accepte c'était les deux messages, on va respawn et on va pouvoir bugger. Donc là on a réussi l'étape, d'accord. Maintenant c'est presque terminé, on va juste renvoyer le véhicule. Donc là où on l'a pris, donc moi je vous le répète, soit à la boîte de nuit, soit à l'arène, d'accord. Donc là, moi pour ma part, c'était la boîte de nuit, donc la boîte de nuit, elle se trouve ici, donc à côté du lieu de don. Vous le connaissez, le lieu du don, c'est toujours le même, ça ne change pas. À part avec la dernière méthode que je vous ai montrée. Donc moi, je vous accélère, et on se retrouve directement à la boîte de nuit. Donc là, arrivé à la boîte de nuit les amis,
Je vous l'ai dit. Donc là, on va renvoyer le véhicule où on l'a pris. Donc pour ma part, c'était sous-sol 2. On fait sous-sol 2, d'accord. Ça nous fait un écran grisé, on fait triangle. On descend dans le vide, c'est parfait. Là, je fais pavé tactile, inventaire. Et je demande mon RC Bandito. Donc je demande mon RC Bandito, on attend. Allez, on quitte le RC Bandito. Notre personnage, il clignote, c'est parfait. Donc là, je suis bien buggé et prêt à recevoir des véhicules. Donc, autant que vous le souhaitez, autant que vous le voulez, vous pouvez recevoir 50 véhicules si vous le voulez. Attention, n'utilisez pas vos véhicules pour revendre après, car vous aurez très vite la limite de vente. Allez, sur ce, moi je vous laisse. C'était tout, c'était WaveZartan. Profitez-en un maximum avant que ce soit patché. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ceux qui sont nouveaux.